C'est récurrent, je parle de ça pratiquement après chaque match. Manifestement, ça n'a pas d'effet. Donc c'est comme ça, c'est même pas le fait de vous le reprocher, simplement comprendre que ça ne suffit pas de le dire. Voilà, il y a beaucoup de choses, quand on coach, on sait que si c'était aussi simple de dire les choses pour les obtenir, ça serait. Ce qu'il faut, c'est que vous vous appropriez les choses. Des efforts, des petits efforts, permettrait de diminuer. Et là, vous voyez la catastrophe, c'est que d'habitude, c'est pas autant, mais là, contre les Turcs, sur 20 balles perdues, 36 points. D'accord ? 36 points, on a pris 80 points. Hein. Donc, ça veut dire presque la moitié des points qu'on leur a donnés. Et on est miraculé, mais c'est une équipe qu'on aurait dû, même en faisant le même match, mais en étant juste un peu plus sérieux, il y a 15 points d'écart. Les Italiens, je peux vous dire, c'est d'autant plus important que eux, c'est l'équipe qui la perd le moins dans le tournoi. Eux, ils la perdent pas, la balle. Ah, ils en prennent vraiment, ils sont très précautionneux, ils ne perdent pas la balle. Donc s'ils commencent le match avec 10 possessions de plus que nous, il est déjà plus compliqué. Hein. Simplicité. Simplicité. Ah, si déjà on est un peu plus simple dans ce qu'on fait, dans l'exécution, qu'on est un peu plus rigoureux sur les écrans, déjà on en gagne 4. Hein, je vous demande pas d'en perdre 7 ou 8 mercredi, mais arrêtez d'en perdre 20. Voilà. Hein, si on descend à 13-14, déjà on est dans le match, c'est sûr. Et sur la rencontre entre les supporters et les joueurs de l'équipe de France, voilà, faut savoir que la fédération organise toujours des voyages pour aller suivre les grandes compétitions et supporter les Bleus. Et on essaie d'organiser des petites surprises, voilà, pour les supporters qui font l'effort de venir ici en Allemagne pour les encourager. Allez les Bleus ! Allez les Bleus ! Certains sont venus que pour les huitièmes, d'autres vont arriver pour les quarts, d'autres pour les quarts et finales. Il y a différents packages. Mais voilà, donc il y en a certains qui vont même suivre toute la compète et qui vont partir en Australie voir les filles. Donc voilà, on a des vrais fans, des vrais supporters, certains qui sont là même chaque année, on les retrouve chaque année. Donc c'est vraiment super pour les joueurs. Par les pieds ! Sinon tu recules la table. C'est vraiment des moments privilégiés que tous attendent avec grande impatience. L'Italie, c'est une équipe qui joue un basket assez unique. Et moi, personnellement, je savais qu'ils étaient capables de battre la Serbie. La Serbie, pour moi, c'était les favoris sur cet Euro. Au vu du monde extérieur, on est les favoris de ce match. Et il ne faut pas du tout qu'il y ait de sentiment de se dire « Bon, bah, on ne joue pas la Serbie, ce sera plus facile. » Ça ne marche pas comme ça. Une victoire après la Serbie, t'as la tête un peu dans les nuages, quoi. Donc forcément, on sait qu'ils sont super confiants. C'est un match qui va pas falloir se tromper de la première minute à la dernière minute. Il va falloir être vraiment concentré sur les détails. C'est un peuple, une culture et une équipe que je connais très bien. Je connais la plupart des joueurs dans l'équipe. J'ai joué contre ou avec pas mal de gars là-bas. Et je sais le genre de basket qu'ils peuvent jouer. Et quand ils se chauffent comme ça, c'est vrai qu'ils sont très très durs à arrêter. Bon, moi, personnellement, j'ai beaucoup de respect pour cette équipe d'Italie. Pour moi, c'est une équipe que j'ai toujours dit que c'était une très bonne équipe. Et une équipe qui était assez unique. Nous, on veut vraiment se concentrer sur nous, peu importe contre quelle équipe. On veut progresser, parce qu'il y a vraiment des axes où on peut progresser. Et ça nous amènera au plus haut niveau, mais limite, j'ai envie de dire, par rapport à la préparation mentale, de l'adversaire, peu importe. Merci, Evan. Merci. Merci à tous. Thank you.
aujourd'hui, on va se concentrer sur nous, parce que c'est très important de ne pas faire de différence entre ce qu'on aurait fait si ça avait été les Serbes et maintenant que c'est les Italiens. Il n'y a jamais une seule équipe en Europe qui est allée, par exemple, dans le dernier carré en perdant 20 balles. Ça n'arrive pas, ça. Donc il faut qu'on arrive à résoudre ensemble ce problème-là. Et ça, ce n'est pas différent que ce soit la Serbie ou l'Italie. Double rouge, je pense. L'Italie, l'équipe qui perd le moins de balles du tournoi. Donc, c'est-à-dire que si tu perds ça, tu leur donnes 10 munitions en plus. Allez. Bien joué. Il faut vraiment qu'on arrive à les cibler. Ils cèdent très bien. Sur Jokic hier, on voyait qu'il faisait un super boulot pour l'entourer. Bien joué. Toi, tu peux tout faire. Faut jamais l'oublier. Ce qui fait ta force, c'est la polyvalence. Mais ce qui fait ta faiblesse, c'est l'attentisme. Et donc, il faut que tu sois dans l'activité et tout ça. Et pour l'instant, tu l'es beaucoup, hein, attention. Ce que tu fais, pour l'instant, c'est très très bien. Bien, Mouch. 2. Allez, plus vite. Bien joué. 4-2. Game. 5. Allez boire. T'as vu qu'il était tout seul, Rudy, aussi, quand même. T'as failli aller dans la... Attention, hein. Non, mais c'est bien. J'ai pas dit que c'était pas bien. Notre idée, c'est toujours de chercher la petite passe. Celle qui sécurise, c'est celle qui est à l'opposé. Elle est presque toujours ouverte. Je vous dis pas qu'on aura un tir, parce que des fois, ils sont bien placés, mais ils sont rarement complètement fermés. Et nous, on n'a pas ce réflexe-là. Soit on tente un truc impossible, soit on veut faire la passe décisive dessous. Et celle-là, elle est quasiment toujours coupée. Donc pensez-y, quand vous drivez, à l'opposé. OK ? Double en rouge. Au secours. Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. L'amour, je le vois pas, mais j'en entends parler tous les jours. Beaucoup de situations, le ballon arrive d'abord à l'intérieur et après il y a énormément de coupes. Vous voyez, tout de suite dans la course, balle intérieure, course, 2 points. Paradoxalement, ils ont des trois, comme Fontecchio qui fait 2m3, mais les intérieurs, il n'y a personne qui dépasse 2m5. Hein. Par rapport à nous, il y a une vraie différence, ce qui explique aussi leur façon de défendre. Contre les Serbes, ils ont vraiment mis de la pression. Hein. Ils ont été agressifs, donc nous, il faut s'attendre à ça, vraiment à ce qu'ils soient agressifs. Nous, on veut l'être, bien sûr, mais il faut s'attendre à ce qu'eux, ils le soient aussi. Fontecchio, en lui, vous voyez déjà les pourcentages à 3 et à 2 points qui sont vraiment très hauts. Donc 19 points par match, 3 passes, mais surtout 7 tirs à 3 points pris avec 43% de réussite, 2,3 d'interception. Si on attaque bien, on va gagner. Si on attaque bien, on va gagner. Et quand je dis on attaque bien, c'est pas marqué. Ok, ça, les tirs, on les met pas, ça c'est... Mais, gardez la balle. Il faut qu'on les agresse du début. Pourquoi est-ce qu'ils ont été brillants contre les Serbes? Parce qu'il n'y avait pas ça. Donc si on est dans cet esprit-là, 40 minutes, c'est pour nous les gars. Allez, allez. Le quart de finale de l'équipe de France dans cet Eurobasket face à l'Italie pour se rapprocher des breloques, de la médaille. Éventuelles les demi-finales auront lieu vendredi, France-Italie, pour rejoindre le dernier carré de ce championnat d'Europe à Berlin. Le quart de finale, okay, c'est toujours la bascule entre la première partie du tournoi et la deuxième partie. Et c'est aussi le meilleur moment, le meilleur timing pour s'élever. On n'a pas utilisé toutes nos réserves, on a une vraie capacité à encore faire mieux. Et on a besoin de le faire avec constance et confiance.
On n'a pas besoin de faire des exploits incroyables pour gagner ce match. Par contre, il faut être nous-mêmes. Être nous-mêmes, avec nos valeurs. Et nos valeurs, on sait ce que c'est. Agressif, dur en défense, généreux. On peut faire des erreurs, mais on est capable de les rattraper aussi. Même sur les situations qui, pour d'autres, sont perdues, nous, on est capable d'en venir. Mais pour ça, il faut le décider, le vouloir, et très fort. On veut commencer fort, mais ça dure 40 minutes. Vous avez vu les matchs, les différents matchs, les Espagnols hier, moins 15 en première mi-temps, deuxième mi-temps, ils ont mis les verrous. On est suffisamment fort dans la tête et confiant pour savoir ce qu'on est capable de faire. Le verrou, ce sont les armes pour faire sauter le verrou, le cadenas italien. Oh oui, Evan Fournier, il est peut-être parti pour un énorme carton dans ce quart de finale. Carpé, Gobert, voilà, Rudy Gobert. Voilà, bon, on monte le temps de Rudy Gobert. Après ce caviar de Terry Tartt. C'est bien fait côté italien. La remise en jeu directement pour Fontecchio. Corner, à droite. Il y a des bons signes. Point au shooter dans ce premier carton pour vous que ça dure. La réponse de Vincent Poirier. Il a contre ce ballon juste avant que le ballon touche le plexi. Chercher Méli. L'équipe de France qui mène de 7 points à la mi-temps. 38-31 pour les Bleus dans un deuxième carton beaucoup plus défensif. Hein. 11 partout dans ces 10 dernières minutes de la mi-temps. Globalement, on a le match qu'on veut. Ok, alors on est devant, pas assez par rapport à ce qu'on aurait pu faire, parce qu'on est retombé en deuxième quart-temps sur notre péché mignon. On a perdu combien de balles ? 7 dans le deuxième quart-temps. 7 dans le deuxième quart-temps. 11 au total. Allez, on continue en défense, continuez à vous parler. Dès qu'on fait un relâchement, vous avez vu, on est sanctionné. Les tirs à 3 points sont toujours venus de nos erreurs. Allez, let's go. Le blanc rouge, France. La course de Gershon, Yamousselé. Wow, quel passe et quel dunk de Yamousselé. Oui, les trois passes de Méli. Oh, ils ont bien travaillé, hein. Ils ont bien fait circuler le ballon. Plus en plus trop, on rajoute un renseignement gratuit. Et ils sont dans une période un peu euphorique, les Italiens là. Qui sert Polonara avec la faute. La fin de ce troisième carton. L'équipe de France qui encaisse un 31-18 dans ce troisième carton. L'équipe de France menée désormais de 6 points. Fontecchio, à 3 points. Ça fait mal, quel crève-cœur. À la dernière seconde de la possession, on a plutôt bien défendu. Ça c'est bien joué, ça c'est trop bien joué. Il s'est infiltré là. Fontecchio avec Tarpé. Il a boxé ce ballon. Pour Gobert, le petit flotteur de Marcos Pinson, c'est pas terminé, c'est pas Gobert. Terminé, on va y aller tranquillement. Tarpé, et oui, avec la claquette. Et là, il donne de lancer franc. Il donne de lancer franc sur la faute de Fournier. Donc il faut espérer qu'il rate un des deux. Et ça nous rappelle un peu un Haussmann. Il rate les deux, il rate les deux, Fontecchio. C'est comme là face à la Turquie, Georges. Il y aura encore une balle de match pour les Français au moins pour aller chercher la prolongation. Thomas Hurtel. Thomas Hurtel avec la place à rentrer. C'est rentré. Bon, on revient de loin une nouvelle fois. Ben, c'est le coup des miracles. Spitzou. Il est terrible. Il est terrible, le petit Spitzou. Il y a le petit flotteur, ça, il le sait très très bien faire. Hurtel, il y a des lignes de fond, Thomas Hurtel. Oh voilà, quelle lecture. Quelle force de pénétration vers le cercle. Il pas le rebond de Gershon Yamousselé qui fait un match encore de mammouth. Grosse faute non sifflée là. Thomas Hurtel avec le ballon Cabarro et l'équipe de France. L'équipe de France qui va voir les demi-finales. Encore une fois dans une situation désespérée. Un miracle bis à Berlin. Encore une fois en prolongation. Encore une fois comme à la Turquie. Alors que les Bleus étaient quasiment morts, avec des lancers francs adverses ratés et une énorme prolongation, les Bleus qui se qualifient
93-85, plus 8, mais encore une fois que ce fut dur, que ce fut bon, mais que ce fut compliqué. Et l'équipe de France qui se qualifie pour le Final Four, c'est cette équipe de France ne nous épargne rien, mais cette équipe de France verra les demi-finales, elle se rapproche des médailles, Jean. J'ai des couilles énormes. Il y a une chose qu'il faut retenir en priorité, c'est qu'on est dans le dernier carré, d'accord ? Et qu'on est toujours vivant malgré les événements qu'on a traversés. Et je pense que ces événements-là, ils peuvent nous aider à encore progresser. Et surtout, ils nous permettent de pouvoir jouer nos meilleurs matchs maintenant. On ne les a pas encore joués. Nous, on est encore loin de notre sommet. Notre force, et c'est une force admirable, c'est que vous ne lâchez jamais rien. Et ça, les 3 C, c'est énorme. Dans le sport, c'est ça qui va nous permettre d'aller au bout. Mais à la condition quand même qu'on progresse un peu sur les autres aspects. Ça, il faut encore qu'on avance un peu. Les consignes, le respect et la récupération. Et le dernier point, c'est pour ceux que j'ai peu utilisés. Gardez confiance, c'est la match-up du match. Elle peut être différente vendredi. Donc soyez prêts, j'ai confiance en tout le monde. Simplement, je fais des choix, je les assume. Et jusqu'à preuve du contraire, on est en demi-finale. Le blanc rouge. Je trouve que c'est le destin qui est comme ça. On a un peu de réussite à la fin. On a Thomas qui met des gros tirs. Mais la situation nous est déjà arrivée il y a 3-4 jours. Donc on savait que c'était possible. On a continué à y croire et c'est arrivé. Encore un jour.